Alors l'objectif du concours aujourd'hui, c'est de préparer la sélection pour la finale nationale des modèles et allures. Donc les meilleurs chevaux seront sélectionnés pour la finale nationale qui aura lieu normalement à Montpazier dans le sud de la France. Sont des épreuves d'encouragement à l'élevage pour produire des chevaux d'endurance. Les critères sont de deux ordres principalement, morphologiques et sur les allures, le déplacement notamment. Ce concours, c'est une finalité de formation, puisque nous formons des jeunes ici, nous réalisons des travaux pratiques. Ce sont des jeunes qui travaillent en alternance dans des élevages, 15 jours à l'école, 15 jours en stage. Avec l'élevage des aubépines, parce qu'ici on a à peu près 70 chevaux à travailler, donc qui vont du poulain jusqu'au cheval de concours, donc ce sont des chevaux de sport, des chevaux essentiellement orientés sur l'endurance. Pouvoir refaire une prochaine édition l'année prochaine, donc ici même, et puis rendez-vous à la finale nationale. À l'année prochaine, fin juin, j'espère qu'on recommence en mieux.